Hey, salut tout le monde, c'est l'épaule, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur InChart 4, j'ai Lost Legacy. C'est une toute première épisode hein, sur ma chaîne. J'espère en tout cas que ça va vous plaire. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas un petit coup de pouce de soutien et de commenter surtout, hein, ça m'intéresse. Et puis toi qui passes par là, qui n'est pas encore abonné à cette chaîne, ben je t'invite à t'abonner, d'appuyer sur la petite cloche entièrement pour recevoir les notifications. Je suis un homme de fortune et je dois rechercher ma fortune. Henri Avery, 1694. I am a man of fortune. Allez, c'est parti, ça commence. Nous sommes en pleine tempête. Où sommes-nous? Ah, c'est pas le volant d'une voiture, ça. Ok. Pas bon du tout. Nous sommes en pleine mer, vous voyez, c'est pas bon du tout. Oh là! Petit bug, c'est quoi ces bugs? Ah, j'ai un bug, mes amis. J'ai un bug de son. Ok. Désolé pour ces bugs de son. Hop. Continue vers l'île. Allez, c'est parti, ouais. J'accélère. Bon, pour regarder gauche-droite. Allez. Compris. Ah, ok. J'ai fait les foncer là-dedans. Allez, prenez ça. Vous êtes où? Allez, celui-là, je vais taper dedans. Ah, il est trop rapide celui-là. Venez ici, tu peux pas m'échapper. Il y en a un autre ici. Allez, vas-y, tape-le, tape-le, tape-le. Oui, bien joué. Allez, l'autre côté. Allez, 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 allez. Bim, vas-y, au revoir. Au revoir, mais ils sont pleins, hein. On est qu'ils ont invité le pays entier là. Le pays entier. Oh non, celui-là c'est un gros bateau, celui-là on peut pas laisser. On s'est fait avoir. Allez. Allez, viens ici toi le petit. J'ai profité sur le petit moi. Les gros ils sont trop forts. Allez, carrément arraché le plafond. Hein. Mon joli bateau. Arrêtez les feux d'artifice, les gars, en pleine mer c'est dangereux. Wow! Qu'est-ce que je me disais? Qu'est-ce que je me disais? En pleine mer c'est très dangereux. Les feux d'artifice. C'est quoi ça? Ouh, c'était chaud. Esquive. Oh là 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 là, quelle jolie esquive. Moi dans l'eau comme ça, je me noie. Je me laisse couler. J'essaie même pas de remonter, hein. Quoi? Vas-y, vas-y, répare-le. Oh, bah, je vais te couvrir, hein. Je vais rester là. Je vais me cacher. Allez, prenez ça. Yo! 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 Boum, 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 boum. Au revoir. Ah ouais, le carmon, c'est du vent. Le karma c'est du vent, il a dit. Vas-y, hop, je me cache, voilà. Toi, toi là-bas, au revoir. Il y en a d'autres. Je me cache. Allez. Oh, il y a des cadavres par terre, dans l'eau. J'allais dire par terre, mais c'est dans l'eau, dans l'eau, dans l'eau de mer. Mais bon, au moins, les poissons, ils ont pas à manger là. Hein. C'est bon ou pas là? On peut démarrer? On peut démarrer? Allez, c'est parti. Oh! Let's go, let's go. Ah, bah, il dit ça 10 ans après hein, qu'il a réussi. Hein. Alors, j'ai un problème de son là. C'est dangereux hein, quand ça, que ça se passe. Hein. Allez, allez, allez. Allez, on accélère. Accélère, accélère, je vois même pas où est-ce que je dois y aller d'ailleurs, je vois plus de... Ouais, sur ma droite. Oh non! Nathan. Oui, c'est moi.
Nathan. Qu'est-ce qu'on va faire de toi ? Rien, madame. Tu dois en avoir assez d'entendre mes sermons, au moins autant que moi, j'imagine. Non. Et aujourd'hui, tu es forcé de passer tout le week-end ici avec moi au lieu de partir avec les... C'est pas grave. J'en ai rien à faire. Et c'est justement ça le problème. Fais-tu, dis donc. Comment ça se fait que je sois le seul à être puni ? C'est toi qui as déclenché la bagarre. Mais il voulait pas me rendre mon livre. Je t'avais dit de laisser ses livres dans ta chambre. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. C'est pas pour ça qu'il avait le droit de me le piquer. Et toi, est-ce que ça te donnait le droit de lui donner des coups de poing ? C'est toujours la faute des victimes, hein. C'est pas possible, ça. Seulement à cause du livre. Quoi d'autre, alors ? Rien du tout. Je le dirai en confession. J'ai eu beau tout essayer. Tu t'obstines encore à suivre la même voie que celle qu'a suivi ton frère. Un vrai gâchis. Non, non, je vous permets pas de dire ça, madame. Hein. Vous êtes puni maintenant. Hein. Méchante mère. C'est quoi cette lumière? Sam? Oh, c'est Sam? Ok, Sam m'appelle. Comment tu peux savoir que c'est Sam? D'ici, moi, je vois personne. Enfin, je vois la silhouette d'un être humain, mais... Ouais, je te vois. Ok, il le voit, il a dit. L'appel de la voiture. Je l'orne. Ok. Hop, hop. Voilà. Allez. Voilà, on descend tranquillement. Alors, ici. Ah, c'est là le passage. Ok. Ici. Ah, non, 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 non. Hop, il y a une petite fenêtre par là. Ok. Alors. Ouais, c'est sûr qu'il faut que je sois discret. Hop, mais par contre. Ah, j'ai déjà ouvert. J'ai pas pu regarder un peu partout. Je suis là. Ouh, faut que je me cache. D'aider les garçons comme lui. Pendant ce temps, je néglige les 12 autres garçons sous ma responsabilité. Qu'attendez-vous exactement de moi? Vous savez ce que j'en pense. Je ne veux pas qu'on le laisse livrer à lui-même. Vous allez devoir prendre une décision. Bon, écoutez, cache-toi. J'irai lui parler demain matin. J'allais me faire avoir là. Bonne nuit, mon père. Bonne nuit, mon père. Bonne nuit, chère Catherine. Allez. Ah, j'espère que je suis pas... Ah, je suis bien placé, là. C'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Mais... Ah, tu laisses ouvert la porte. C'est cool, ça. Depuis quand on ferme pas la porte, madame? Ouais, je suis passé par là, mais je sais même pas pourquoi je suis venu par là. Ah, il y a un petit truc, là. Hop. C'est quoi, ça? Ah, c'est mon dossier, ok. Alors, passionnat pour garçon de Saint-Francis. Rapport de comportement. J'ai surpris Edouard en train d'agiter un des livres de Nathan pour l'embêter. Malgré sa petite taille, Nathan a immédiatement bondi sur Edouard et a réussi à le faire tomber. J'ai accouru pour séparer les deux garçons. Mais il avait déjà eu le temps de se rouer deux coups. Signature administrative, père Ryan Duffy. Donc c'est bien ce qu'ils ont parlé tout à l'heure. Donc c'est un rapport de comportement. Ok, bon, on a compris. J'espère que ça ne va pas marquer dans mes dossiers, ça. Hein, parce que moi, j'ai envie de trouver du travail, madame. Hop. C'est fermé comme par hasard. Alors, la sœur, qu'est-ce que tu fais, la sœur? Je vois pas très bien ce qu'elle fait, il faut que je l'observe. Ah, elle ferme, ok. Ok. Bon, qu'est-ce que je dois faire? Elle est en train d'écrire, ok, j'ai compris. Elle est en train de marcher, ok, j'ai compris. Ok, hop. Ah, il faut que je passe par là. D'accord.
Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Oh, ma soeur, c'est une cachetière. Elle fume du don, c'est pas bien ça, madame. Enfin, madame, la bonne soeur. Ok, vas-y, dégage bien la fumée. Donc, il faut que je passe l'autre côté, je pense. Au moment où on se retourne. Allez, retourne-toi, madame. Ouh, j'ai failli me faire avoir, je crois. Mais par contre, tu vas sentir. Il va sentir la cigarette, et enfin, il doit savoir quand même, non? Allez, tourne! Allez, hop! Elle est passée de l'autre côté, c'est bon, je suis passé, cool! Je suis pas le meilleur, hein! Je suis pas le meilleur! Allez, on descend, hop! J'ai pris pas mal de temps. Pour l'instant, je suis pas un bon espion. C'est cool. Hop. Pour ceux qui ont l'habitude, hein, qui jouent à jeu d'aventure, en tout cas, c'est mon cas. Et ça se voit que j'ai l'œil. Hein, parce que des fois, pour passer, on voit pas du tout par où on peut passer. Il devrait mettre un truc plus brillant que ça. Quand même, là c'est une devinette. Hein. Tout là, je sais que je peux passer par. Oh là 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 là, fais pas le con. C'est trop là. Je vais finir comme une tomate. Et par contre là, ouais, j'ai cassé une gouttière. Désolé, la bonne sœur. Y a quoi là? Ah, un petit sac à dos. Ok, je récupère. Ah, c'était un piège, il m'a bien eu. Ça fait plaisir de te voir, petit frère. Attends, qu'est-ce que t'as là? Non, t'as recommencé? C'est rien. On n'avait pas dit d'éviter les embrouilles. Mais il disait du mal de nous. Et alors? Il a dit que papa nous avait abandonnés parce qu'on était nuls et que maman était en enfer parce que... Attends, arrête, s'il te plaît. Il dit ça parce qu'il sait que ça t'énerve. Tu piges? Il va falloir que t'apprennes à en rire. T'aurais pari. Ouais, et bah fais ce que je dis et pas ce que je fais, d'accord? Va pas t'enrhumer. Alors, qu'est-ce que t'es venu faire ici, en fait? Si jamais les sœurs t'attrapent, elles vont appeler les flics. Bah, j'ai une surprise pour toi, et ça pouvait pas attendre Noël. C'est quoi? Il faut sortir. T'appelles ça éviter les embrouilles? On va dire que c'est une exception. Ouais. Ok, c'est quoi cette surprise? Allez, allez, donne-moi ta main. Ok, je me disais bien que c'était trop petit pour sauter jusqu'à la main. Les sœurs te donnent pas à manger ou quoi? Bon, je le suis, je pense qu'il faut que je le suis. Hop! Est-ce qu'ils sont tous passés? Une sorte de retraite biblique. Ah ouais. Je m'en souviens. Allez, monte. C'est bien le seul être humain dans le coin. Tu devrais passer le voir. Non, je veux pas me sentir coupable. Ah, il a raison. Je veux pas se sentir coupable. Bon alors, je peux passer le côté, s'il vous plaît. Allez. Allez, là. Par contre, Justic, il veut pas... Allez, fais passer le côté, s'il vous plaît. Ah, il faut que je m'aime. Hop. Alors? Ah, ben voilà. En fait, il fallait que je mette au plus haut. Ok. Vas-y, monte. Par là. Ah oui, génial. Ah, on va se casser une jambe à force. Hein. Vu la hauteur, je pense que j'aurais dû se faire mal. Hein. Hop. Non, les coriaces, les gamins, les coriaces. C'est bloqué. Merde. Tu l'as pas bloqué? Bah, si, si. Du moins, je croyais l'avoir fait. Allez, c'est pas grave. On va prendre la voie des airs. La voie des airs? Bien, suis-moi. Regarde ça. Waouh. C'est génial. Non.
prends la voie des airs. Ok, je te suis. Une ou deux fois. Ouais, ça se voit vachement. Allez, bah, un petit rappel pour les gens qui ne savent pas. En fait, là, ce qu'on fait, c'est comme dans tous les jeux d'aventure, de campagne, il y a une petite sorte d'entraînement du début pour vous montrer comment ça va se dérouler la suite du jeu, comment se débrouiller. Donc là, c'est un petit entraînement, comme une petite histoire, genre d'histoire pour justement s'entraîner pour le commencement, enfin pour le jeu, quoi. Donc voilà, ça c'est ce qu'on fait, c'est un petit intro, mais c'est pour montrer aussi comment on joue, quoi. Du coup, je suis avancé, mais je regarde pas autour, mais bon, apparemment il n'y a rien du tout de spécial. Allez, je saute. Ouh là 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 là. Oui, ça va être difficile là. Là, ça fait au moins deux étages là. Attendez, je vais prendre mon élan. Et je cours, je saute, oui, oh là là là. Aïe 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 aïe, lui c'est un assassin, ton frère lui. C'est pas un frère lui, c'est un assassin. Ah par contre j'ai un petit bug, j'ai encore un bug de son là. Je te tiens. J'ai encore un bug de son. C'est pas compliqué. Oui, bien sûr c'est pas compliqué. J'ai remarqué qu'il y a un bug de son parce qu'il était en train de parler et on l'entendait pas. Ouais, carrément. J'espère que ça va pas être sur tout le long des épisodes. Hop, allez. Je saute. Ok, c'est bon. Je remonte. Bah bon, là ça va, il y a assez d'espace. On était au clocher là, on était sur le coin. Ok, d'accord. Oui, je suis prêt, oui. Je suis prêt, allez. Ok, c'est toujours moi qui passe devant. C'est bon, je suis passé. Je t'attends. Oh, j'ai sauté plus que lui. T'as pas honte? Allez, je saute. Voilà, on a sauté en même temps. Allez, je te suis maintenant, t'es où? Ah, il aime pas quand je saute avant lui, hein. Il aime pas quand je saute avant lui. Vas-y, monte, je veux bien savoir par où on parle. Encore un bug, mes amis. Ah, c'est là-bas que je dois sauter. Ok. Ah, ok. Je pense que je dois faire le tour. Ah, il aime pas hein, quand je saute en premier. Hein. Ah, lui, il passe par l'autre côté, moi, je passe par là. Ok. Vas-y, saute. On a une belle vue d'ici. Ah, oui. Pas mal. C'est beau aussi. Déjà monté ici avant? Sur ce toit en particulier? Non. Mais tu sais quand même où tu vas, j'espère. Ouais, à peu près. Une bonne blague. Est-ce que franchement on est obligé de faire tout ce chemin pour justement aller sur le point voulu? Allez, tu restes ici et tu me regardes. Moi personnellement. Ok. Oui, c'est mon tour, mais attends. Je vais faire d'abord la prière. Allez, vas-y, lance-toi. J'ai failli mourir. Allez. J'ai réussi. Ouais. Ah ouais, t'as failli aplatir, ouais. Hop. Bien, suis-moi. Ok, je te suis encore une fois. Tu sais quoi? Et si tu passais devant? Pourquoi pas? Ok. Sûr? Ouais, je suis sûr. Tu me montres le chemin?
Oui, je te montre le chemin, oui, vas-y, ok. Ok, voilà, c'est bon, je suis arrivé. Ok. Ça, j'imagine que c'est un escabeau, enfin une échelle. Une échelle. Oh, oh. Et nous voilà dehors. En moins de deux. Super. Comment tu la trouves? Hein? Wow, t'as une 250? Une 250, non mais ça va pas. C'est une 500 cm3. Bicylindre, mon petit gars. Oh, elle est trop belle. Tu m'étonnes. À qui tu l'as volée? Eh, c'est pas très sympa, ça. Ben, justement, puisque t'abordes le sujet, j'ai beaucoup changé, tu sais. J'ai travaillé très dur pour me la payer. Allez, viens, grimpe. Quoi? En général, quand tu fais un truc de ce genre, c'est que tu veux te faire pardonner. Tu sais que ça finira par te jouer des tours d'être aussi malin. Ok. J'ai trouvé du boulot. C'est bien payé. Très bien payé. L'inconvénient, c'est que je dois partir quelque temps. Combien exactement? À peu près un an. Grand max, et je serai revenu avant même que tu t'en rendes compte, t'inquiète. Tu vas me laisser tomber? Oh, arrête, pas la peine d'en faire des tonnes. C'est pas déjà assez cruel de me laisser pourrir ici? Comment tu peux me faire un truc pareil? Attends, si je le fais, c'est pour toi. Tout cet argent que je gagne, il est pour nous deux. Et dans deux ou trois ans, quand tu sortiras... Deux ou trois ans? Tu rigoles? Je veux venir avec toi. Non, je galère déjà bien assez tout seul. Mais je peux bosser. Je sais que tu penses que ça craint l'orphelinat. Oh, t'imagines même pas. Si, mais c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour toi. Tu comprends? Je t'assure, fais-moi confiance. C'est pas juste. Hé, hey, on n'a pas eu de chance dans la vie, mais ça nous a pas arrêtés. Pas vrai? Ouais. Tu sais, cette moto, c'était pas la seule surprise de la journée. Mais à quoi bon faire durer le suspense? Quoi? J'ai retrouvé les affaires de maman. Tout ce que papa a vendu, je sais chez qui c'est parti. Tu dis pas ça juste pour me remonter le moral? Non, je te jure que c'est vrai. Où ça? Ah, encore un petit bug. De l'autre côté de la ville. Ça fige, ça fige. Non. Mais non. Non, 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 non. Je suis vraiment désolé. Hein. Je suis vraiment désolé, j'aurais bien aimé avoir une meilleure scène. Bon, on va s'arrêter là, les amis. On va s'arrêter ici. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Désolé pour le bug de son, enfin, plutôt bug du jeu. Hein. Je sais pas comment régler ça. Je vais voir pour le prochain épisode. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, comme d'habitude, hein, le soutien avec le pouce. N'oubliez pas de commenter pour savoir ce que vous en pensez hein, de cette vidéo. Et puis toi qui n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et d'appuyer sur la petite cloche entièrement, bien sûr, pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Ciao, ciao!